Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Fallout 4. Donc on va continuer notre voyage, notre épopée incroyable vers le pays des Hubulistes, en espérant que notre rat scorpion préféré est débugué. Ah oui, bien sûr. Nous on veut tuer des rats scorpions. On fait des bons petits plats avec de la chair de rat scorpion. Ça rapporte beaucoup d'XP le rat scorpion. Bon après c'est un peu gourmand en bastos aussi, hein. faut pas mal les charger aussi, c'est con. Mais c'est plutôt cool. Sur saccade gratuitement là, n'importe quoi. On a un mini parc là-bas. Enfin on a un truc. Ah! Mais non, mais ça c'est de la merde. Moi je voulais des vrais là, des solides quoi, des vénères. Bon allez, tue-moi celui-là. Hein. Ouais. Merde. Ah ouais, ça va péter. Ça va péter. J'avais dit que ça allait péter les rats. Il est sorti! Regardez, il est sorti juste pour nous! Dans la gueule! Oui, parce que leur point faible c'est quand même la gueule. Mais pourquoi je leur tire toujours dans la tête, dans le dard? Parce qu'en fait, dans Fallout 4, alors celui-là vous me direz, j'en sais rien. Mais dans Fallout 4, quand tu leur tirais dans le dard, ils pouvaient plus te piquer avec. Donc c'était cool. T'arrivais vraiment à leur péter le dard. Ouais, c'était dard. Mais c'était dard comme jeu. C'est bon, on a tous les ratons là. Ça a l'air. Ça a l'air. J'aurais bien envie de visiter ton désert, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Oh, regarde, je prends un verre. Hop, il est à côté. Youpi. Cartouche. Où est l'autre? Allez! Mais qui que tu tires? T'en as vu un toi? Alors, bonjour. Ah non, c'est ça un rat. Ça. Bon, attends, tue-moi celui-là déjà, parce qu'après je suis sûr qu'on suivra. Regarde, déjà, t'as vu déjà où est-ce qu'ils volent là, les bordels? Oh. Oh, j'ai tiré dans le remblai. Putain, il a volé, c'est bon. Voilà. Il y a le petit rat, première vue qui me court après. Non? Ah bah non. Bien, c'était marrant. Oh ouais. Oh ouais. Le bébé rat il se balade. Ah non, il y a encore une colonie de rats là-bas, d'accord. Ouais, le bébé rat, c'est la colonie tout entière qui se promène. Okay. Bon, il y a rien au milieu de votre désert à part des embrouilles. Hein? Il y a des crabes. Il y a des crabes. Il y a plein de choses à voir. Hein. Oh là là, est-ce qu'on va aux Hubulistes? Est-ce qu'on... Hein? T'es là toi? Fou là. Vous devriez garder. Hein? On y va. Ah, moi je renverse maintenant, sinon après je les perds. Hein, les bestioles. Ah mais calme-toi la tique. Ok, j'ai dit calmez-vous. Votre tour va arriver. Reste calme, je te dis, voilà. Ah, stay cool, voilà. Allez, meurs, crève. C'est bon? Je veux dépouiller mes cadavres tranquillement. Saloperie. Bon. On était là. Ensuite j'en ai buté un juste là. Après moi je les perds les cadavres, oh là là. Et puis en plus dès que je vois une accidée je déroute. Merde, alors elle était où cette accidée à la con? Enfin non pas l'accidée, la tique. Oh merde, ça y est, j'ai buté un truc, je l'ai paumé. Oh chier. Eh hey, du gaulliste.
Encore un peu de patience. Encore un peu de patience, d'accord. Tout est dans la patience. Je patience beaucoup, mec. Hein. Je patience beaucoup, mais j'ai quand même perdu ma tique. Voilà. J'ai buté une tique vampire. Et ah voilà, voilà, voilà. Elle fout chier les bestioles. Franchement, elle respecte rien. C'est fatigant. Peur cette manie de vouloir prendre des humains pour des cibles faciles, quoi. Incroyable. C'est vraiment stupide. Hein. Vraiment des créatures stupides. Oh. Quelqu'un habite ici. Wow, 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 wow. Trouver des petites coudrelles. Pas sauvage en plus, hein. Genre élevage de coudrelles. Enfin, agriculture de. Vous m'avez compris. N'obligez pas de reprendre quand vous m'avez compris. Je trouve ça très désagréable. Je plaisante, bien sûr. Ouais. 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 Eh bien. Voyons voir, déjà il y a une petite table à tambouille. Des vers de sang qui poussent dans le bois maintenant, enfin qui sortent du bois. On se marre bien. Faut toujours prendre tout ce qu'on trouve, si possible. Ouais, je suis d'accord. Ouais, t'étais pas un génie toi. Ce mec n'était pas un génie. Mais arrête, bah, range-moi juste mon flingue quoi. Oh. Faut dormir sur le lit? Cool. Dodo. Comme ça j'ai récupéré tous mes points de vie. Ah, y'a ça. Ah. Merdier, c'est pas possible. Vraiment que je pense à aller vider mon matos entre deux épisodes. Hein. Vraiment, je pense que vous trouverez ça sympa si je le fais. Ah, c'est pour ça d'ailleurs que je le fais pas. Hop là. J'ai vu une tête d'accident. Ouais. Je les prends tout le temps. Tous les accidents, c'est pour ma gueule. Pas de discussion possible. Vous voyez que j'en rate une, hop, vous me le dites, je vais la chercher. Pas de problème comme ça. J'ai tellement gavé en XP, ça va rien dire. Rien dire du tout. Bon, ça, je pourrais aller par là, c'est vrai que... Attends, j'ai pas vu le fond marin, on va voir s'il y a quelque chose. Ouais, une cut ou pas, ça change. Que dalle. Que dalle. Voir rien, point. Donc là, ça donne accès à une maisonnette au loin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, faut que je fasse ce marais. Le problème, c'est que j'aurais dû le commencer par un bout. Là, c'est un peu le bordel. Bon, bah, allons-y. On fait un tour du marais. C'est parti. On adore. Je te rassure, c'est pas trop long. C'est un camion. Bon. On se dit que c'est valide. Voilà. Il y a quoi là-bas? Lui, il s'en fout. Ok. On va juste aller voir derrière ce petit îlot là au cas où il y aurait quelque chose. Mais oui, je ne crois pas spécialement. Trois caisses débilos. Trois fûts à la con. Voilà, c'est bien. Ok. Donc on va pouvoir reprendre effectivement l'autre côté. De ce bordel là, voilà, de ce côté là. Putain, en vrai, y a de la flotte, hein. Y a de la flotte sur la map. Hein. C'est même pas les pillards qui la possèdent, c'est toutes les bestioles locales qui la possèdent. Je suis super vite dans l'eau, je consomme presque rien, c'est trop rigolo. Thank you.
C'est pas mal 88, on discute. Oh ouais, c'est trop long. Non, moi j'étais lancé, j'ai cliqué. Désolé. J'ai envoyé toute la purée dans sa bouche, mec. C'était pas prévu. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Il est content. Hey, vous avez besoin de moi? Parlez. Réveillez-vous, Gage. Ça va, chef? Vous avez des objets à vendre? Vous pourrez jeter un œil à ce que j'ai. Ouais, c'est uniquement en ville, hein. T'es vraiment une merde, en fait. Ah ben. Merde, j'ai eu des embrouilles ici. Les œufs, ils sont déjà passés. Oui. Kawaii. Voilà. Ah ouais, non, d'accord, il y avait déjà beaucoup d'œufs d'éventrés de base et c'est tout quoi. Un peu triste. J'ai pas tué un jeu ici. Non, je l'ai rêvé, le rêve bleu, tout ça. Bon alors, qui bouge encore là-dedans? Ah bah plus personne. Ah si. Ouais, je tape dessus hein, mec, hein, tape plus vite fait de. Faut les cramer. Peut-être qu'on va tirer une bonne chose de tout ça. Ils sont ténueux en plus hein. Je dirais même le fangeux c'est plus ténueux quand c'est jeune à première vue que quand c'est vieux. Bon c'est plus vénère quand c'est vieux aussi, faut dire. Et j'avais buté que deux fangeux ici. Troisième est dans l'eau. Je l'ai déjà dégouillé hein. Oui. Un albinos. Rigolo. Omar Albinos. Je connais cette ville. Pas du tout. Il y a même pas de marqueur sur la map. C'est étrange. Assez étrange. Très étrange. De plus en plus étrange. Étrangement. Ça étrange. Ah, c'est des ubolistes. On va pas les descendre. Hein. Bah, on a une quête. Première vue, on a signé pour avoir des super pouvoirs. On dit vous verrez, vous deviendrez Superman. Bon, les mecs, je suis déjà Wolverine parce que je régénère grâce aux radiations. Donc, ouais, si vous voulez. Hein. Je dis pas non. Hein. Des champs. Ah, future colonie probablement. Ah oui, très probablement. Maintenant que j'y réfléchis, je me dis on est à côté des ubolistes. Probablement future colonie en fait. Bien vu, l'aveugle. Ah oui, je viens de m'auto-féliciter, ouais. Ouais, ça, c'est normal, je deviens vieux fou. Ouais, tout à fait, ouais. Pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va bien pour vous. Je sais qu'il faut rien gâcher, chef, mais là, je suis pas sûr. Laisse-moi être sûr pour toi. T'es caté. Je gère très bien la sûreté. La cigale là. Cigale elle chante hein. Le grillon une grille hein.
c'est fait exprès pour montrer que c'est une ferme abandonnée, parce que j'ai pas trouvé le... Après je l'ai pas trouvé, il est peut-être un peu plus haut. Peut-être plus proche de tout ça là. Oh, c'est une pompe, c'est une vraie, elle marche au moins celle-là. Non pareil, c'est comme toutes les autres, c'est de la déco. Là on revient vers une zone que je connais, qui est le point de départ. Par contre je sais pas si on a déjà fait les bus sur l'écart sur les côtés là. Le school du Massachusetts. De rien mettre à cet endroit. Les mecs ils sont pas du genre chez Bethesda à construire un décor et de rien laisser dedans. Déjà ça c'est déjà ça dans leur style, voilà. Mais en plus de ça, bon, il était logique qu'à un moment donné il y ait de merde qui traîne quoi. Alors entouré de champs. Crâne. Poser ça comme. Alors. Lui il est vide et il n'y a aucune bestiole qui sort de terre là. Je suis déçu. Non, Fallout, c'était plus ce que c'était. Le monde est plus qu'il était. Voilà, sortez de là les merdes. Hein ? Toute la journée. Je fais des crits comme ça tout seul, gratis ? Merde ! Je les ai perdus. Pas le meilleur choix. J'ai en tout cas, tu l'as bien retourné. Enfin, tu l'as retourné. Pas retourné, mais. Plaqué au sol, ça lui a fait bizarre. Projeté au sol pour être plus exact. Oh là là, agilité, perception plus 1 en cuir. Stylé. 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 Est-ce que je vous ai dit que c'était stylé? Je vous dis stylé. Avec qui on peut pas les ramasser? Ok. Blessure. Hein. Les insectes, je vais encore pouvoir nettoyer mes putains de chaussures. Ah, ah bah ça t'es bon pour les nettoyer en boucle, hein. C'est l'histoire de ta vie. Hein. Et là on va arriver chez les Ubolis quoi. Ah non, c'est vraiment une zone ferme abandonnée quoi. Ah, abandonnée slash détruite slash tout ça quoi. Alors que ça avait l'air animé et bien vivant il n'y a pas si longtemps que ça. Intéressant. Avec des jolis pots de fleurs, ça devait être bien décoré à l'époque. Ça devait être joli. Un réfrigérateur vide. Bon, par contre, les mecs là-dessus, vous êtes vaches quand même. De vous obliger à faire des détours, des tours, des détours. On vient voir ça. On voit des baraques qui sortent du sol. On se dit, ah, c'est intéressant. Y'a rien à voir. Y'a rien à voir, y'a rien à ramasser, c'est la misère. Ah, attention, il doit être cette machine. Cette machine qui peut-être va nous gaver. Nous donner une bestiole. Un bignou. Genre la clé de la centrale. La clé de la centrale. Que dalle, ouais. Que dalle. Le jeu a dit t'auras rien. C'est t'es venu ramasser du blessurin et t'es content avec ça. Tu peux en faire pousser chez toi, mais t'es content. T'as toujours rêvé qu'on te donne ça comme loot. Le jeu est un peu méchant des fois. Vous allez dire que je me prends tout le temps. Faut vraiment qu'on aille là-dedans. Il faut y arriver. Ok.
On va pas dire que je suis hélioboliste, hein, c'est pas la façon de faire. Non, pas comme ça qu'on fait dans la maison. Hein. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Bah, je vous emprunte tout ça, monsieur, vous avez plus l'air d'en avoir trop besoin en fait. Hein. Donc, bah écoutez, un bon repos éternel. Hein. En plus, vous avez fait le choix de le faire au soleil quand même. Hein. C'est quand même. C'est un peu grand luxe, monsieur. Mauvaise idée. Ah, c'est vrai qu'il y avait cela. Encore des baraques là-bas. Donc là, ici, on sait que c'est du hubolistes. Hein. Voilà, ça c'est du hubolistes par là. Par contre, là-bas. Il y a des baraques sur pilotis visiblement. Ouais. Ah ben, il n'y a pas juste les parcs en fait hein, dans ce DLC. Hein. Il est complet. Hein. Vraiment. Beaucoup de bestioles en plus et tout. Je sais pas ce qui leur est arrivé au gars, mais voilà. Quand des hubolistes. Très hein. Ah bien. On va commencer par faire ces environs. Il y a des chars d'assaut là-bas. Oula ah ah. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais faut dire aussi à petits moyens. Alors. Est-ce que armure de Space Mines ou pas armure de Space Mines? Ah, mais c'est des goûts. À la défense, ouais, mais non, ne participe à aucune défense. Paul. Il faut les cramer. Essayez, Trudeau, je suis toujours là. Et ça, c'est ma goule, visiblement. Voilà, c'est plus calme. Plus nettoyé, plus propre. Ah oui, bah par contre, faut que je check qu'il n'y en ait pas d'autres qui dorment par terre. Visiblement, ça a l'air good. C'est tendancieux, monsieur, comme position. Vous représentez la nation, monsieur, quand même. Joli ça, monsieur. Ah oui, mais non, ça c'est un squelette, c'est pas une goule. Intéressant s'il en est. Ok. Clairons un peu. Il y a quelques petites choses par terre. C'est bien gavé, hein. Ça a le terrain à vendre. Personne l'a acheté. Vous êtes fait arnaquer, monsieur. On est où sur la map? Ouais, on est au bout du monde, hein, de toute façon qu'on connaît ce jeu, il nous laissera pas aller beaucoup plus loin. Voilà, j'ai pas le droit d'aller là. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Voilà, très bien. Là-bas, on ira une autre fois. Donc, on peut faire demi-tour jusqu'au truc des balistes, hein. On n'est pas en bout de carte hein, donc par contre on pourrait aller jusqu'en bordure de mer. Ce qu'on va faire, on va longer la côte. On va longer la côte, découvrir les secrets, les mystères qui se dérobent à nos regards. Ou rien du tout, qui ne se dérobent pas à nos regards. Calme.
Ah. Défends Jax. Donc là, ici, c'est la fin du monde, hein. J'ai pas le droit d'y aller. Je vais quand même vérifier. Il y a une petite liche d'eau derrière, en fait, mais bon, non, on n'a pas le droit. Visiblement, c'est interdit. Donc, par là-bas, il y a un fangeux, mais il ne nous intéresse pas, il est trop loin. Quoique. Est-ce qu'on peut t'intéresser au projet ? Regardez, chef. Il n'est pas seul. Il y a des fois il y a des petits bugs dans ce jeu quand même. Moi je ne peux pas le dire comme ça mais. Calme-toi Denis. Calme-toi. Te calme Denis tout de suite. Ah, une petite balle dans la couille ici. Attends qu'il se ramène. Parce qu'il est loin, pour aller le chercher, moi j'ai plus tendu. Pas assez tendu pour aller le chercher. Pas gâché, c'est clair. Te voilà. Ah, ici. Et ici toi. Attendez, je vais même mettre la lookout comme ça, je suis bien sûr qu'il me voit. Ah, je pense qu'il me voit. Je pense qu'il me voit là. Parce que je suis pas sûr. Oh. Augmente de 50% les dégâts infligés aux membres. Le lance-napalm, hein. Vénère. Vénère. Minigun. Cartouche de 44. Cellule à fusion. Ouais, ils sont tous morts avant-guerre, hein. Ils sont pas morts des fangeux. C'est ce qu'on va se dire, on va se convaincre que c'est comme ça. Parce que s'ils sont morts avec tout ce matos contre des fangeax, c'est vraiment des sacs à merde. Non, c'est vraiment des sacs à merde. Bien fait pour eux s'ils sont morts, si c'est le cas. On va dire ils sont morts des radiations. C'est mieux. C'est plus propre pour leur mémoire. Ok. Cool. Oh, 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 let. Attends, on va le laisser venir. Pourquoi courir après les trucs quand tu peux les laisser venir? T'es mort. On est là. Allô. Mais ils sont cons ou ça se passe comment? Ça vous arrive parfois d'arrêter d'être très con? Je sais pas, entre deux apéros par exemple. Une idée comme ça. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui. Bon, faut dire j'ai toujours tendance à aduler les tirs. Ouais, que je te tire, ça sera pareil, je crois. Ah non, ta petite tête, ça. Résultat, pas visé. Tout ça pour dire, bah, je t'ai boué la gueule, et puis salut. Hein. Mais l'autre, il est parti pour sa vie, quoi. Ah, si, ça y est, il arrive. Ah! Bah oui, je trouve. Et le bon, monsieur, et le bon! Alors, mais arrête de vivre ta vie, arrête de vivre ta vie. On descend, on en parle plus quoi, on se frite et puis voilà. Oh, le mec il fait des simagrées. Ah, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je suis à moitié vivant, je suis à moitié mort. Bon bah soit tu fuis, tu te casses. Mais tu commences pas à faire ta danseuse espagnole parce que c'est bon. On n'a pas signé pour ça. Mais... Quoi? C'est un caillou. Check, hein, on sait jamais. Ah, je vous jure, on va aller les voir les U-Bolistes. Hein. Une fois qu'on aura fait tout le tour de cette flotte, hein, ce qui est fait. Maintenant, on y va. Hein.
Bon, après, si j'étais taquin, j'irais voir sous le pont, mais je pense que vous allez me détester si je fais ça. Comment ça, j'y suis déjà? Non, c'est pas vrai, je suis pas en train de regarder sous le pont. Hein, regardez, hop, en fait, je suis là. Bon, le joyeux village des hubolistes. Les rois de la pompe, à où? Vous contemplez la plus grande bouche d'incendie du monde avec ses 9 mètres de haut et environ 205 et un poids de 250 tonnes. Cette œuvre a été bâtie pour résister au passage d'une tornade, mais son créateur, l'artiste Thomas Danton III, prétend qu'elle pourrait survivre à une apocalypse nucléaire. Alors prenez un sandwich et un Nuka-Cola bien frais, installez-vous confortablement et consommez, profitez de l'instant présent à l'ombre de la plus grande bouche d'incendie du monde. Waouh! Faut mettre un pouce bleu, ça se passe comment? Visiter les lieux. Est-ce qu'en vrai on se dit pas qu'on a un épisode déjà assez long? Non, ouais, on va visiter quand même, parce que sinon je pense que vous allez me détester si vraiment il y a que des balades. Hein. Des balades, en plus on dit rien. Dans les balades, quoi. C'est des balades, tu butes des trucs nuls. Des chiottes. Intéressant. Je pense que si je vais de l'autre côté, je vais trouver dans des chiottes, quoi. Ah, on a quand même trouvé quelque chose. Hein. J'en ai marre de l'entendre souffler. Ah, il me fatigue. Hein. Il me fatigue. Pouette, pouette. Pouette, 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 pouette. Ah. Donc là, visiblement, on peut parler aux gens. On va faire ça, hein. On va faire ça. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de boire une gorgée de café. Bonjour, là, madame. Je vois que vous m'avez apporté une nouvelle recrue. Merci, esprit purifié. Si vous êtes à la recherche de réponses aux grandes questions de la vie, l'ubologie les a. J'espère sincèrement que vous allez vous joindre à nous. Et même si vous ne le faites pas, j'ai besoin d'une personne d'action. Ça m'intéresse toujours si la paye est intéressante. Bien. Nous avons besoin de combinaisons spatiales comme celles que je porte. Je vous paierai 200 capsules si vous parvenez à en ramener 5. On m'a dit qu'il y en avait dans la zone galactique de Nuka World. J'ai perdu 2 partisans qui ont essayé de les récupérer. J'espère que vous aurez plus de chance. Pourquoi avez-vous besoin de ces combinaisons spatiales? Je suppose que je peux vous le dire. Elles nous protégeront pour la bataille à venir. Il va me falloir plus que ça pour ce boulot. D'accord. Je vais vous donner 250 capsules. Ça suffit pas. Vous savez négocier, vous. D'accord, 300 capsules. Vous pouvez bien faire un petit effort, non? Bon, 350, mais c'est ma dernière offre. Maintenant, allez me chercher ces combinaisons. Et ben voilà. Voilà. Ah bah, il fallait qu'elle paye plus aussi, la fille. Elle est marrante. Depuis le temps que je me travaille une combinaison spatiale que je peux pas virer, je suis triste. Triste, je suis obligé de vivre avec ça. La bataille à venir. Non, mais on apprend des choses surprenantes, surprenamment intéressantes. Ça, Maurice? Encore une nouvelle recrue. Nous verrons si vous êtes digne d'être un hubologiste. Mais oui. Il est marrant d'ailleurs, ce monsieur, il fait toute la voix des vieux. C'est le même monsieur, si vous écoutez bien, qui fait la voix du grand maître dans... Grand maître Paisel. Il a toutes les voix de vieux, d'ailleurs. Hey. Je vous ai à l'œil. Les nouvelles recrues essayent toujours de nous voler. Toujours le même, il fait toutes les voix de vieux. Le mec dans le studio, ils doivent l'appeler Vioman. Ah, vous avez mis du pneu, hein. Vous avez peur qu'on rentre, hein. D'accord, ok. Et en fait, aucun d'entre vous ne va me parler, me vendre le moindre truc tant que j'aurai pas la recette du Nuka-Fruity, ouais. Bien sûr. Si, il y a la Nuka-Fruity. Et avec absolument aucun fruit dedans. C'est ça le secret. Terminal. Aligneur de rayons Zeta. C'est étrange. D'accord. Je posais comment là? On sait pas. Je suis invisible. D'accord. Ce sera pour une scène cinématique. Voilà. Ou une cinématique en jeu. Parce qu'on est des ouf. C'est un purifié. Roland Hooper. Il parlera pas non plus, je suppose. Joli verre. Si ça tenait qu'à moi, je laisserai toutes ces merdes. Mais c'est une bosse. Ah oui. Tellement en plus.
perdez pas de temps avec ces combinaisons spatiales. C'est moi qui décide dans quel sens on fait les épisodes, pas toi. Incroyable ça. Bon, à première vue, le prochain épisode, hein, c'est la zone galactique. Hein. Oh, attendez, je vous fais la petite queue avec. Ouais. Ah, voilà. Donc, le prochain épisode, ce sera un épisode consacré aux pompiers de Nuka World. Non, je déconne, on fera la zone galactique. Et j'espère, oh putain que j'espère, que je vais la trouver, cette foutue clé de centrale. Ça me rend malade. Voilà, sur ce, c'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.